Bonjour, bienvenue sur Promostar TV. Donc, comme le nom l'indique, c'est pour promouvoir les stars sur la télévision, le web. Et je vais vous présenter donc un monsieur qui s'appelle Harley, donc qui est à l'œuvre, à l'origine de cette Promostar TV, qui est lui-même compositeur, artiste, interprète, beaucoup de talent. Mais tout de suite, bonjour Harley. Salut Marc. Ça va ? Ça va et toi ? Bon, alors la première question qui me démange, c'est pourquoi Promostar TV ? Promstar. Promstar, pardon, excusez-moi. Promstar TV, c'est très important. Ben voilà, donc c'est, comme le nom l'indique, c'est pour, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est pour promouvoir les stars, parce que tout le monde est une star. Quand on a un peu de talent, on peut devenir une star. Bien sûr. Donc j'étais fatigué de voir des talents, ou ce soit sur Internet, dans les concours de chant, même dans les karaokés, je vois des gens qui chantent très bien, qui ont du talent, qui ont une présence, qui ont tout ce qu'il faut. Et j'ai dit, comment est-ce que vous allez capter ces gens-là, justement ? Ben, le but, c'est de faire venir ces artistes. D'ailleurs, il y en a 6 qui seront interviewés très bientôt. D'accord. Et le but, c'est qu'on se fasse win-win. Oui. Donc gagnant-gagnant. Voilà, nous, on les filme. Francophones. Hein, on les filme de façon professionnelle comme maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et eux, de leur côté, partagent cette vidéo le plus possible pour essayer d'atteindre d'autres artistes qui seraient éventuellement intéressés d'avoir aussi une interview comme voilà. Et mais alors quand vous dites artiste, quand vous dites artiste, vous visez qui particulièrement ? Qu'il soit peintre, sculpteur, un artisan quelconque. Un artisan, par exemple, vous avez des idées déjà ? Ben ici, on est sur un projet avec une dame qui fabrique des bagues en, en métal. Et qui vient d'où, elle ? Du côté de Nassogne. D'accord, ça c'est dans les Ardennes, donc. Oui, c'est en Belgique. Ah, ben, oui. C'est bien, ça. Et alors, au niveau artiste, chant, qu'est-ce que vous avez comme dans votre besace, là ? Voilà, là, il y en a un paquet, parce qu'on a, on a fait un groupe Facebook. Oui. Et là, on a eu plus de 2000 membres en moins de 2 jours. Donc, c'est énorme. Donc, on a vraiment le choix. D'accord. Et alors, ce Promstar TV, ça sera que sur le web ou est-ce que vous allez essayer de contacter des chaînes de télévision comme les chaînes locales, par exemple ? Oui, en fait, en Belgique, vous savez qu'on a 12 TV locales. Oui. En France, il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a un paquet. Mm-hmm. Donc, on essaie de promotionner les artistes ici, et puis les faire connaître. Ouais. Par exemple, un artiste de Mons, TV Mons, je ne sais pas comment exactement, on va le faire passer à Namur, on va essayer. Okay. Ouais, c'est un artiste de Marseille, eh ben Marseille, la France est immense. Ouais, c'est vrai. Donc il y a peut-être possibilité de mettre cette émission dans une télévision locale, la faire diffuser par une télévision locale, et qui promotionne cet artiste et d'autres, naturellement. Et puis comme je vous connais bien, vous n'avez pas l'ambition que de rester en Belgique et en France. Je crois que vous avez une certaine vue internationale quand même. Quel pays pourriez-vous aller ? Vers quel pays pourriez-vous aller, par exemple ? Ben déjà, il y a les pays francophones. On peut aller jusqu'au Canada, le Québec. Ah, voilà. Hein ? Très bien. La Guyane. Ensuite, il y a les pays de l'Est, qui sont toujours possibles aussi, parce que exactement. Le marché là-bas est assez... Oui, vous aimez bien les pays de l'Est. Ah, moi, j'adore. Vous avez un bon contact là-bas. Moi, j'ai fait des concerts en Ukraine avec mon groupe Harley Blues Band, dans le temps. Je suis allé en Roumanie, en Pologne, je suis allé partout. Et vous avez réussi à avoir des bons contacts là-bas pour, justement, Promstar TV ? À ce moment-là, ce n'était pas encore d'actualité. Non. Ça fait combien de temps que c'est sur les rails, ce projet ? L'idée a germé il y a 2 ans. D'accord. Et alors, comme Stéphane, qui est mon opérateur vidéo maintenant, et qui était guitariste avec moi dans le groupe, avait de l'équipement vidéo, on avait dit, on va lancer un projet, on va essayer, parce qu'on en avait marre, parce qu'on essaye, on envoie des vidéos, on envoie des vidéos, des home vidéos. Oui, oui, tout à fait. Hein? Oui. Ça ne touche personne, je regrette, mais ce n'est pas de la qualité. Et vous n'avez pas peur, c'est pas un peu à cause d'une espèce de lobby dans ce milieu, enfin, c'est quand même très spécial, non ? Ben, c'est-à-dire que bon, il y a la sphère artistique en Europe, ben, comme ailleurs d'ailleurs, on ne sait pas y rentrer. C'est très difficile. Ou alors il faut avoir un très bon copinage. Ah oui, malheureusement. Donc là, ici, on donne la chance à tout le monde de passer à la télévision. Et là, ils ont une chance que peu ont, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et alors, quand vous parlez de chansons francophones, notamment, ou artistes francophones en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec tous les artistes anglophones aussi ? Parce que souvent, ça se bastagne aussi à ce niveau-là.
Moi, c'est ouvert, Promostar est ouvert à tous. À tous. Il n'y a pas de souci. Ça va de 9 à 99 ans. Donc, vous seriez prêt à aller aux USA, par exemple? Pourquoi pas? S'il y a une ouverture. Si mon équipe me suit, moi, j'y vais. Oui. Hein, alors, justement, vous me donnez la perche, là. C'est parce que vous ne faites pas ça tout seul. C'est qui, votre équipe? C'est quoi? C'est combien de personnes? L'équipe, mon équipe, c'est déjà mon ami Stéphane. Il y a le caméraman, là, qui est là-bas oui, aussi. Stéphane. Tu peux venir si tu veux, hein, pas de soucis. Tu peux venir, bonjour. Le temps de... Ah, il a son câble trop petit, vous voyez. Ah voilà, caméraman, donc voilà, c'est Stéphane. Stéphane. Voilà, Stéphane, donc le caméraman de Promstar TV. Tu veux peut-être faire un petit commentaire ou quoi, non? Ah si, viens nous parler de Promstar. Il est timide. Il est timide, non. Non, mais plus sérieusement, vous n'avez pas peur de la masse de Facebook et tout ça, de tous ces réseaux sociaux? Comment est-ce que vous allez vous démarquer en fait de tout ça? Se démarquer de tout ça, c'est là on fait confiance en l'artiste. D'accord. C'est lui qui doit faire sa promo. Oui. Nous on lui donne l'outil. D'accord. C'est à lui de s'en servir. D'accord. Okay. Le maçon, s'il n'a pas sa truelle, il ne sait pas faire un mur. Non, c'est juste. Nous on donne la vidéo. Maintenant c'est à lui à se débrouiller pour se faire voir. Okay, et nous faire voir aussi dans la même occasion. Okay. C'est du win-win en fait. Oui, exactement. Voilà. Ça c'est bien. Donc gagnant-gagnant pour les francophones. Moi, je pouvais mieux parler si j'étais avec ma guitare. Ah, voilà. Mais ça sera pour une autre émission, une autre fois. Là, c'est l'introduction de Promstar TV. Oui, mais c'est bien. Là, vous avez le caméraman. Avec la caméra qui me filme. Voilà. Mais en fait, on a passé de belles moments avec Arlène. Ben oui. Sur des grosses scènes, on a fait même Moulin Rouge du Paris. Wow. Ah oui, vous avez fait le Moulin Rouge de Paris. Oui. On a... Pigre. Donc vous avez une certaine, notoriété du milieu, ans, entre guillemets, quand même. 5 ans sur la scène, donc c'est vrai que... Mais il était vraiment un fou, il était tout dedans, il regardait rien, l'argent, rien, donc il dépensait tout. Pour justement, vous me donnez encore décor, une perche, c'est comment est-ce que vous financez tout ça, finalement? Mais c'est comment ça, c'est lui qui est, je ne sais pas comment il n'est pas dans la rue encore, mais il est vivant. Ouais, plus sérieusement, comment vous allez financer tout ça? Il était fou dans les choses du show. Moi, j'étais fou dans les choses matérielles, donc des guitares, des amplis qui c'était les meilleurs du monde. Donc, mais ça coûte ça, hein, ça coûte mais cher. Mais oui, c'est ça. Mais de toute façon. Et puis tout le matériel coûte cher aussi. C'est ça. Il faut avoir plus une folie comme ça pour mettre tout dedans. Donc on ne calculait pas à gagner, mais on voulait avoir le bon son, les bonnes images. Et Arlée, vous débrouillez comment, alors, finalement? Parce que vous faites tout de front, finalement, non? Il a volé deux banques, mais je ne veux pas... Bon, vaut mieux pas le savoir, ça, on va couper, je crois, parce que... Ça va, je passe micro à Arlée. Merci Stéphane. Ça va, je prends ma place. Merci Stéphane, c'est sympathique. Donc revenons au financement, alors c'est important. Parce qu'il faut le financement, Donc le financement, c'est... D'abord, on va faire une belle vidéo aujourd'hui, on va faire une belle émission, une interview. Donc je vous remercie d'ailleurs. Moi aussi, je te remercie, Marc. et là, on va se proposer ça à des sponsors potentiels. Potentiels, tout à fait. Mais bon, en attendant, tant que je n'ai pas de sponsor, je produis moi-même, c'est une autoproduction. Vous avez pensé un peu au mécénat aussi, parce qu'il y a beaucoup de mécènes qui sont intéressés par ce genre de projet, de nouveaux projets justement. Oui, on y a pensé, mais bon, tout ce qu'il nous faut, c'est la matière, justement, voilà où est le concept. On a maintenant la matière pour proposer notre émission à des mécènes, à des sponsors. Ouais, l'artiste qui viendra ici aura le même outil. Pour aller proposer aux producteurs, aux agents, là où il doit aller. Allez, Donc voilà, moi je fais la première démarche pour moi, pour eux. Mm-hmm. Hein? Ouais, bien sûr. Mais ensuite, je pense que si eux font la même chose, je pense qu'on peut faire effet boule de neige et devenir très grand. Ouais. Et alors vous avez parlé aussi d'artistes. Artistes, ça englobe, c'est très large, mais est-ce que vous avez pensé par exemple aux acteurs de cinéma ou choses comme ça? Est-ce que vous pensez les contacter peut-être un jour? Promstar est ouvert à tous. Okay. Tout ce qui est artistique. Tout ce qui est artistique dans le sens large du terme. Large du terme, oui. Ouais. Okay. On va jusque, je vous dis, on va du sculpteur, on va sur le chanteur, l'artiste peintre. Okay. L'acteur, okay. Même un metteur en scène. Et vous ferez des reportages, vous serez à même de pouvoir aller, par exemple, je sais pas, sur un tournage, par exemple, pour voir un acteur en train de travailler, ou sur un rock show en train de se montrer.
Est-ce que c'est dans vos cordes, ça, ou vous êtes encore prématuré, peut-être ? Non, mais non, mais non. Nous, on attend les propositions. Hein. D'accord. On est ouvert, on est complètement ouvert, si c'est pas possible, naturellement, si on nous demande d'aller faire un truc sur la Lune, là. Oui, oui, c'est un peu compliqué. Non, je rigole, mais... Si on nous propose des trucs qui sont concrets, qui peuvent attirer l'attention aussi des autres, parce Monsieur Dupont me dit viens me filmer dans ma salle de bain quand je suis en train de me raser, naturellement ça ne vous intéresse pas. Ça c'est clair. Mais quand c'est quelque chose, un projet constructif, il n'y a pas de souci. Et alors donc cette équipe, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous actuellement ? Ben pour l'instant j'ai deux techniciens au son, et lumière. J'ai Stéphane en caméraman. Une très bonne maquilleuse d'ailleurs, je crois est votre femme. Très belle maquilleuse. Est bonne. Oui, ce qui est ma femme. Ce qui pourrait vous introduire vers les pays de l'Est d'ailleurs. Oui, oui, je l'ai rencontré là-bas. Oui, justement. Voilà. Donc c'est une ouverture de plus. Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est bien. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette réussite. Et puis on vous suivra et puis on reviendra faire le point peut-être d'ici quelques mois avec un peu de chance. Alors je pense que si. Les artistes qu'on va inviter font ce qu'il faut. Voilà. S'ils sont motivés assez pour s'aider, parce que on dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Tout à fait, oui, c'est vrai. Oui. Nous ne sommes pas à Dieu. Non. Mais enfin, je pense que ça pourrait aller assez vite. Ouais. Très bien. Ok, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'oubliez pas que les sponsors sont toujours invités à venir visionner cette capsule. Et donc, aider Promstar TV, à qui nous souhaitons beaucoup de succès. Au revoir.